C'est ici que je vis, au pays des volcans assoupis, et ce sont ces paysages, tous anciens cratères de volcans, assoupis mais qui se réveilleront un jour, qui m'ont inspiré l'écriture de ce récit. C'est l'histoire de Galou la brodeuse qui, une nuit de tempête, recueille une toute jeune fille sur le point d'accoucher. La toute jeune fille perd la vie, mais Galou adopte la nouvelle-née, qu'elle appelle Garance. Et la sourcière, c'est l'histoire de tous les personnages qui gravitent autour de Garance. Il y a le vielleux, un musicien qui était pris de Garance, qui est devenu une jeune fille. Il y a un seigneur cruel qui s'appelle Guillaume. Guillaume est une sorte de Gilles de Rais qui terrifie la contrée, dont le cœur est plein d'amertume et de venin depuis qu'il a perdu sa toute jeune fille par sa faute. C'est un roman animiste et tout le monde parle. Les volcans assoupis parlent. La source d'eau chaude raconte des histoires. Il y a une salamandre feu qui vit dans la braise. Tout le monde désire quelque chose ou quelqu'un. C'est une sorte de ronde. Et j'ai pris un immense plaisir à l'écrire. Et je pense que vous aurez du plaisir à le lire.